Je suis une femme qui a traversé des ombres, une histoire, des questionnements, des doutes, des chemins vers elle-même, cherchant le soi avec sa grande et précieuse initiale. Pas à pas, sans prétention, j'ai invoqué la lumière et ses enseignements. Doucement, avec sagesse, elle s'est déposée et intégrée en moi et autour de moi. Rien d'extraordinaire ni de magique ne s'est véritablement produit, mais plus subtilement, c'est tout un processus d'apaisement qui s'est opéré, hors volonté de contrôle, sans même l'intention ou la vocation d'être une héroïne ou une mystique. Laissant juste poindre un essentiel, celui, je crois, j'en suis persuadée a posteriori, d'un véritable accueil de qui je suis. N'ayant ni peur, ni doute, ni certitude, mon souhait le plus cher est d'être juste en paix avec tout ce qui se présente, se manifeste, se crée, s'éteint, se meurt et renaît à chaque instant de ma vie. Alors je m'élance, telle une prière, un appel, une évidence, face à tout saisissement qui me déroute, m'enferme dans le vertige de la violence, de l'ignorance, je deviens ma propre courbe des possibles. Je suis une femme qui a rencontré sa lumière.